des années après leur date limite, ces aliments sont toujours comestibles. Voici lesquels. Dans une quête constante de réduire le gaspillage alimentaire, il est essentiel de comprendre la véritable signification des dates de péremption sur nos aliments. Saviez-vous que certains produits restent parfaitement comestibles même après cette fameuse date? Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers une liste d'aliments qui, malgré leur date de péremption dépassée, peuvent encore être consommés en toute sécurité. Nous aborderons également les signes à surveiller pour savoir si un aliment est vraiment périmé ou non. Prêt à repenser votre façon de gérer vos denrées alimentaires? Alors, plongez dans ce guide complet. Comprendre la différence entre DLC et DDM pour une consommation alimentaire sûre. La date limite de consommation, DLC, et la date de durabilité minimale, DDM, sont deux informations clés sur les emballages alimentaires. La DLC, marquée par « à consommer jusqu'au » s'applique aux produits frais comme la viande ou les produits laitiers, et indique la date après laquelle la consommation peut présenter un risque pour la santé. En revanche, la DDM, précédée de « à consommer de préférence avant », concerne les aliments secs ou en conserve, qui restent généralement consommables bien au-delà de cette date. Savoir faire la différence entre ces deux dates permet de limiter le gaspillage alimentaire tout en préservant la sécurité alimentaire, évitant ainsi de jeter des produits encore bons à consommer. Les aliments sûrs à consommer après leur DDM. Plusieurs types d'aliments restent comestibles après leur DDM. Les pâtes, le chocolat, les légumineuses sèches et le riz, par exemple, peuvent être conservés longtemps grâce à leur faible teneur en eau qui empêche la croissance des bactéries. Les conserves, si elles sont stockées dans de bonnes conditions, peuvent durer des années. Le miel, le chocolat, les légumineuses sèches, les biscuits secs et les céréales ont également une longue durée de vie. Pour vérifier leur qualité, fiez-vous à l'aspect, l'odeur et la texture. Si un aliment présente des signes de moisissure ou dégage une odeur inhabituelle, il est préférable de ne pas le consommer. Conseil pour une bonne conservation des aliments. Pour prolonger la durée de vie des aliments, il est essentiel de les stocker correctement. Les biscuits, pâtes et riz doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les conserves, quant à elles, se conservent bien à température ambiante, mais évitez les endroits sujets aux variations de température. Le miel, naturellement résistant aux bactéries, doit être gardé dans un récipient hermétique pour prévenir la cristallisation. En respectant ces conseils, vous réduirez le gaspillage alimentaire tout en préservant la qualité de vos aliments.